adresser les vœux, puis c'est plein, mais ça s'assume. Je vais être le spectateur du Congo Uni Télévision. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de coopération avec la Russie. Qu'est-ce que ça va donner? On doit s'attendre à quoi exactement? Bienvenue à tous les téléspectateurs. Nous sommes avec Honorable Emmanuel Mouzi, qui est l'élu de la Rutshuru, l'élu de Rutshuru carrément. Bienvenue, Honorable. Merci beaucoup, Madame. Avec l'honorable, nous allons nous entretenir sur ce qui se passe à l'est du pays. Cette coopération, comme je l'ai dit tout au début, coopération militaire entre la Russie et la RDC, on doit s'attendre exactement à quoi? L'arrivée du général Chico aussi, qu'est-ce que ça donnait? Est-ce que ça portait des fruits? Parce qu'on est en train de nous informer qu'il y a des localités, des territoires qui sont maintenant en otage pris par le M23. Mais qu'est-ce qu'il est parti faire exactement? Mais il y a également aussi des traîtres au sein de l'armée. Nous avons entendu que parler de ça, il y a deux traîtres, il y a deux traîtres. On n'a jamais signalé leur nom. Mais également, il y a des politiciens aussi. On a eu arrêté un honorable de Rutshuru. Mais on en parlera dans notre émission d'aujourd'hui, fidèles spectateurs. Alors, je vous demanderai de vous abonner. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Si vous voulez avoir la meilleure information, cela vous ne le trouverez que dans notre chaîne de Congo Uni Télévision. Alors, honorable, aujourd'hui, la RDC, il faut quand même le dire, coopère militairement, signer un accord de coopération militaire avec la Russie. Est-ce qu'on doit s'attendre à quoi exactement? Est-ce qu'il y aura-t-il une suite favorable face à tout ça? Merci beaucoup, madame. De prime abord, je compatis avec notre population, particulièrement celle du territoire de Rutshuru, dans les localités de Nyanzale, Kihondo, dans l'agglomération de Kibirizi, les localités de Kiala, toutes ces entités où la population est en errance maintenant et où les agresseurs sont en train d'égorger qui il veut. Et donc, je compatis avec cette population qui est en train d'errer dans les différents milieux, qui passe nuit à l'extérieur, dans les bananeraies, partout, avec des enfants, des femmes enceintes, de vieils hommes qui sont vraiment à l'errance, qui sont victimes des intempéries, qui n'ont ni l'eau, ni abri, ni à manger, aujourd'hui, hier, avant-hier, et c'est devenu une vie normale presque dans le territoire de Rutshuru et Masisi, alors que les décideurs à Kinshasa, pour la plupart, sont un peu comme dans un autre monde. Vous, les décideurs, vous êtes honorables, n'oubliez pas. Je compatis donc avec cette population qui est en errance et qui ne croit qu'à la libération de leurs entités par les chefs de l'État. Parce que la population ne connaît pas celui-là que vous venez de citer, le général Chico. La population ne connaît pas le général Christian Chiwewe, le général Tchaligonza Ndour Jacques, le général Frank Tumba, le général Fall Sikabwe. La population n'a pas élu ces gens. La population a élu pour le président de la République son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et c'est lui qui a juré devant Dieu et devant la nation congolaise de prendre la responsabilité de protéger ces populations. Donc, ces populations ne doivent pas pleurer. Si je comprends bien, si la population de l'Est a élu les chefs de l'État, c'est par rapport à sa ferme décision de dire qu'il ne va jamais négocier avec le M23. Exactement, la population du Nord Kivu, particulièrement, mais aussi la population congolaise, a tenu à honorer le chef de l'État dans sa décision ferme et juste de pouvoir décider à en finir une fois pour toutes, à ne pas toujours revenir dans les cercles vicieux de malheur, de pouvoir négocier. Encore que ce n'est même pas une négociation qu'il faisait avant. C'est le Rwanda et l'Ouganda qui dictent, disent, nous voulons que vous fassiez ça et ça et ça. Et la RDC dit, amen. Et donc, le chef de l'État qui a refusé tout ça,
Il ne devait qu'avoir l'accompagnement de la population. Principal pour nous, c'est de libérer nos entités et nous mettre dans une situation des gens, des populations qui ont droit aussi à la vie. Parce que depuis 1996, les populations de l'Est ont été chosifiées par les Rwandais. On tue qui on veut, on viole la femme qu'on veut, on prend les minéraux qu'on veut. On les exige même à manger les corps. De oui, la on prend la terre qu'on veut. Et donc, nous avons estimé que le chef de l'État, c'était un Moïse nous a envoyé par Dieu pour nous sauver. Et donc, la population a droit de plaire en son nom. Je suis convaincu que le chef de l'État, il a la bonne foi. Vous le voyez en train de faire la diplomatie, de tourner par-ci, par-là. Mais il a le malheur. Quel malheur? Le premier malheur, c'est que les gens qui viendront nous aider doivent nous trouver dans une situation de personnes à aider. Les personnes à aider doivent être combatifs, de gens qui se battent eux-mêmes. Et nous ne les sommes pas au noir. Les gens qui viennent, ils vous trouvent en train de travailler, ils vous aident. Mais lorsqu'il vous trouve, il trouve des traîtres. Il va aider les traîtres à faire quoi? Ces mêmes traîtres qui trahissent les militaires Fardessé, les troupes Fardessé. Ces mêmes militaires qui trahissent les Wazalendo. Vous avez appris? Les Wazalendo avaient libéré Kichanga. Kichanga, Kiloriro et les autres entités. Mais ce sont les mêmes officiers généraux Fardessé qui ont trahi les Wazalendo en remettant ces entités entre les mains des agresseurs. Et donc, avec ces mêmes personnes, oui, le chef de l'État, qui est en train de chercher par-ci, par-là, à travers la diplomatie, les gens qui peuvent venir, nous venir en aide, mais faudra-t-il pour moi que le chef de l'État fasse les deux à la fois? Mais balayer la cour, sa cour, au niveau militaire, au niveau politique, parce que Je ne sais pas. Que nous avons aujourd'hui. À part les deux termes que je vais utiliser, peut-être vous êtes forte en français, vous allez m'aider avec un autre terme. Soit l'état-major général, la maison militaire et tout ce qui apparaissent dans les commandements dans la guerre de l'Est, soit ils sont complices, soit ils sont incompétents. Si vous avez un autre terme, l'état-major, vous avez dit, et la maison civile. La maison militaire, donc, militaire, l'état-major général, Fardessé, la maison militaire, les commandements des opérations et tout ce qui apparaissent dans cette guerre comme officiers supérieurs généraux, soit ils sont complices, soit ils sont incompétents. Si vous avez un autre terme, vous pouvez le chercher. Mais pourquoi, sinon, pourquoi vous le dites, Honora? Pourquoi vous le dites? Depuis que la guerre a commencé, vous pouvez vous informer, ces généraux n'ont jamais gagné une seule localité. Ils ne font que perdre les localités. Et les militaires au front, les FARDC, si vous vous informez, ils n'ont pas une résistance. Ils ont la capacité de combattre. Mais la volonté de combattre a été tuée par les officiers généraux. La volonté de combattre signifie quoi? Ça signifie les militaires est sûr qu'il a des munitions pour se battre. Il est sûr. Quand il est sûr, il peut se battre. Mais si il a des militaires, il a des munitions à compter au bout des doigts, il les utilise pour sa sécurité en fuyant. Le militaire est-il sûr de la ration militaire à manger? Est-il sûr qu'une fois blessé, il y a un hôpital qui va le prendre en charge? Il aura les soins de santé. Le militaire est-il sûr que sa famille et ses enfants sont mangés, qu'ils vont manger, alors que les généraux qui sont en train de gérer cette guerre, si vous faites des enquêtes, pendant que cette guerre a commencé aujourd'hui, beaucoup ont déjà acheté des milliers et des milliers de maisons. Ils s'enrichissent. Pour eux, c'est du business. Et donc, à ce sujet-là, le chef de l'État devait commencer par balayer sa cour. Imaginez que vous soyez commandant des opérations. Vous faites un mois, deux mois, trois mois, six mois.
Vous ne faites que perdre les entités. Vous ne, les militaires ne font que fuir. Mais il y a aussi la présence de la SADC. N'est-ce pas que la SADC est là pour les aider? Moi, je crois qu'ils ne font pas d'abord voir l'extérieur. Nous devons d'abord voir l'intérieur. Les pays nous appartiennent, nous. Il faut plutôt me demander, les Wazalendo comme Congolais, qu'est-ce qu'ils font? Je vous ai dit, ils ont libéré Kichanga. Oui. Ils ont libéré Kiloriro. Ils ont libéré ils étaient prêts à libérer Bouiza. Mais les entités libérées étaient gardées par les FARDC, mais les FARDC les ont cédées. Et donc, vous comprenez que malgré que les Wazalendo n'ont pas l'armement pour se battre, parce que, aussi, je vous informe que les Wazalendo qui ont la volonté de combattre, on les prive des armements et munitions pour se battre. On les laisse on les laisse sans armement et pour qu'ils ne se battent pas, pour qu'ils ne puissent pas libérer nos entités. Oui. Et c'est le FARDC qui les cède au F-23. Oui, Kichanga, Kiloju, c'est ce qu'ils ont fait. Et il manque des armements aussi, les Oui. Oui. Les FARDC les prive des armements. Oui. Et donc, il y a un problème sérieux. Les chefs de l'État, oui, ils doivent faire la diplomatie, mais il doit se rassurer d'abord du commandement. Lorsque vous voyez un général qui commande l'armée, comme je le disais, un chef d'état-major général qui n'a jamais gagné une seule localité, il est soit complice, soit incompétent. Il n'y a pas un autre terme. Et donc, mais alors, le gouverneur militaire qu'on a installé... Exactement, voilà. Le gouverneur militaire, c'est un combattant connu. Lorsqu'il a été affecté au Nord Kivu, il n'a pas fait une semaine au bureau, même deux jours, non. Il est allé au front. Parce que dans l'ordonnance, il est dit que le gouverneur, il est le commandant des opérations. Mais lorsque le commandement ici à Kinshasa a vu que le gouverneur militaire est au front, il est en train de chasser l'ennemi directement, il a été pris la décision de lui ravir les opérations militaires pour le rendre comme un gouverneur civil et nommé. À ce moment-là, on a nommé les commandants forces terrestres de l'armée congolaise pour aller être les commandants des opérations. Donc, vous imaginez aussi que... Donc, la présence du général Chico ne pèse absolument pas. Le général Chico, c'est un militaire connu au Nord Kivu. Depuis qu'on prend les localités, depuis que les agresseurs prennent les localités, à partir de Rutshuru, Bouito, Masisi, jusqu'à la porte de Goma. Il était toujours là, avec le général Yav, à côté du général Yav. Il était avec tous ces autres-là qui ont échoué. Voudriez-vous poser la question à ceux qui nomment? Vous nommez-t-elle pour quels résultats dans le passé? Mais je vois dans les réseaux sociaux, je crois que les militaires aujourd'hui, ils ont même créé des cellules de communication pour vanter, parce qu'aujourd'hui, c'est du business. Lorsqu'on te nomme, tu es sûr de mettre la main sur des millions et du Congo, et de la corruption que le Rwanda leur donne, l'Ouganda. Le général Chico, normalement, devrait être sur le terrain, mais lui, il n'a jamais été sur le terrain. Il est dans un hôtel, logé dans un hôtel, il faut quand même le dire. Hein. Bon. Et il roule carrosse à Goma, donc il n'est pas parti justement pour faire son travail. On a toujours dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais l'équipe qui n'a jamais gagné, on la garde pour aboutir à quoi? On la change. Je sais que beaucoup de gens ils pensent que tel peut faire mieux. Vous savez, nous avons dans l'armée, nous avons beaucoup de catégories de militaires que nous avons. Même les politiciens, c'est la même chose. Nous avons d'abord des officiers supérieurs. Et c'est le malheur que le chef de l'État a. Le chef de l'État, il est le commandant suprême des généraux. Créé idéologiquement par James Kabarebe. Vous savez que James Kabarebe a été le chef d'état-major général de la RDC. Mm-hmm. Le chef de l'État, donc aujourd'hui, il est le commandant suprême des généraux créés, endoctrinés par James Kabarebe, qui répondent jusqu'aujourd'hui à lui. Vous savez, lorsqu'on crée l'AFDEL, lorsqu'on crée le RCD, lorsqu'on crée le CMDP, et que tous ces militaires sont déversés dans les FARDC, avec des généraux aujourd'hui qui commandent les différentes unités.
Mais ces gens s'asseyaient toujours avec James avant de commencer les rébellions. C'est lui qui commandait à partir du Rwanda. Et lorsqu'ils sont ici au Congo, est-ce qu'ils ont perdu les relations avec James? Non. Donc le chef de l'État est commandant suprême des généraux créés et endoctrinés par James et une autre catégorie de généraux créés et endoctrinés par l'ancien président Joseph Kabila et d'autres qui ne viennent qu'avec le ventre pour remplir le ventre. Et cela donc tombe dans le piège de ces deux catégories de généraux. Et Donc, d'autres, il y a la d'autres dernière catégorie, généraux non, qui mais la sont dernière catégorie, je voudrais dire, sous ce sont commandement de Joseph des Kabila. généraux capables de la trempe du feu général Bauma, mais à cause de leur capacité, le système qui veut mettre la main sur la RDC les a mis sur le banc de touche. Il y a beaucoup d'officiers capables, mais qui ne peuvent pas attraper une fonction au sein de FARDC, parce que ils savent que celui-ci, si on le met sur la ligne de front, il va se battre. Alors, comme on veut entretenir cette guerre pour s'enrichir, pour aider notre partenaire le Rwanda et l'Ouganda, nous ne devons pas donner de fonction à ces gens Mais capables. j'ai une question quand même, pour le dire. Mais est-ce que ces militaires-là agissent parce qu'il y a absence de l'État ou parce qu'il y a un ça ne va pas, c'est-à-dire qu'ils sont mal payés et c'est leur seul moyen de pouvoir de survie aussi quelque part? Ah, merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que nos officiers généraux ont tout fait pour tuer la volonté de combattre des hommes de troupes. Nos hommes de troupes, lorsque vous allez à Kichanga, on vous dit comment Kichanga a été repris encore une fois. On vous dit que les jeunes qui venaient d'être récemment formés, ils se sont battus comme ils peuvent. Ils se sont battus, mais ils ont été aussi. Et donc, tu vois, la volonté de combattre, comme je le disais, c'est priver les militaires de tout ce qui est décaissé pour lui. Vous voyez les Mais alors, généraux. Les généraux, construisent des maisons partout. oui, mais Ils le font avec quoi? il les font en complicité avec le ministre aussi. Écoute, les généraux construisent partout. Ils le font avec quoi? Oui. Avec l'argent qui est destiné aux hommes de troupes. La ration. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Nyanzale, on vous dit, Nyanzale, il y a un régiment. Le régiment, c'est autour de 1200 et plus d'hommes. Mais vous allez trouver le régiment de 200 militaires. Mais entre-temps, l'argent pour les 1200 est décaissé pour ce régiment, alors qu'il ne compte que 200 hommes. Cet argent qui est décaissé va où? Mais qui perd? C'est cette population-là qui se dit être gardée par 1200. Alors que c'est 200 personnes. Et lorsque l'ennemi vient attaquer, il vient attaquer avec toute la consigne. On lui dit, là, c'est 200, mais vous en faites C'est pas, il n'y a pas de l'ennemi. Donc régiment. il a toutes les En informations fait, chez nous, cette guerre de la ici, position des FARDC. écoute, cette guerre ici, c'est l'ennemi qui commande en même temps son camp et notre camp. C'est pas Je possible. vous dis, les FARDC n'ont jamais attaqué un seul instant. Ils se laissent toujours attaquer. Et lorsque l'avion militaire, à un moment, était mis en jeu, pour frapper l'ennemi. Mais lorsque l'ennemi est frappé et qu'il est en débandade, le FARDC croisait les bras et ne profitait pas pour l'infanterie, ne profitait pas pour le repousser. On attend pour qu'il se les réarme moralement Mais est-ce et qu'il vienne qu'on, attaquer encore. avec tout ce que vous venez de nous dire ici, de nous révéler ici, est-ce qu'on va, on arrivera-t-il à gagner cette guerre aussi? Oui. Mais de quelle manière? De quelle façon? Je vais donner au moins deux manières. Oui, rapidement. La première manière, nous devons arriver à compter sur les Wazalendo, qui sont des gens qui se donnent, qui se décident à Donc dire, on n'a pas où on aller. compte pas sur les Non, FARDC, non, je mais. continue. Les Wazalendo, ils se disent, c'est notre terre, nous irons où? Aujourd'hui, les agresseurs sont déjà sur la porte du territoire de Lubero, ils sont sur la porte du territoire de Walikale. Donc, toutes choses restant égales par ailleurs, demain, après-demain, ils seront à Lubero. Ils seront à Walikale. Aujourd'hui et demain, ils vont contrôler toutes les mines du Nord Kivu. Aujourd'hui, la mine de pyrochlore de Rutshuru au niveau de l'Ouéché, c'est entre leurs mains. La mine de Rubaya du Coltan, c'est à quelques mètres de là où ils sont.
Et donc, dans quelques instants, ils auront déjà un pays avec toutes les potentialités. Et donc, aujourd'hui, les personnes qui peuvent nous sauver, ce sont les Oisalendo. Mais les Oisalendo qui ne doivent pas dépendre de FARDC, parce que le commandement FARDC est pourri. Il faut que le chef de l'État, qui avait appelé à la formation des groupes de vigilance, puisse organiser le plus rapidement possible les Oisalendo et les doter de l'armement qu'il faut. Et je suis convaincu que les Oisalendo, qui connaissent bien leur territoire, sont prêts et capables à se libérer. Deux, le président de la République... Le président de la République a fait des alliances, a fait une collaboration bilatérale avec le Burundi. Les militaires burundais sont des militaires aguerris. Mais ils ne peuvent pas se battre dans la jungle, dans un commandement FARDC pourri. Ces gens aussi doivent bénéficier de la collaboration directe, pas du commandement FARDC, mais du président de lui-même qui doit suivre les opérations. Je voudrais conclure en disant, le chef de l'État, donc il a les Oisalendo sur lesquels il doit compter. Il doit compter sur la coopération bilatérale avec les Burundis, qui sont vraiment déterminés. La SADC, bien sûr, je crois qu'elle est déboussolée. Lorsqu'elle voit le comportement de nos FARDC, elle se dit, on va travailler avec qui? Donc, la quatrième voie, c'est la diplomatie, comme je le disais. Le chef de l'État doit rencontrer les grands décideurs du monde. Mais justement, pour que, c'était d'ailleurs ma première question, pour que vous n'avez même pas répondu. Écoutez, pour que les mensonges montés par Kagame soient décousus. Mais par ailleurs, le président de la République et tous les Congolais doivent se rendre compte que les États-Unis, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, ce sont des alliés inconditionnel du Rwanda. Et nous ne sommes pas obligés à passer par eux. Nous devons collaborer avec les autres grands États du monde. Nous ne devons pas démontrer que... Malgré quand ils interpellent le Rwanda, donc ça veut dire même s'ils sanctionnent le Rwanda, on ne doit pas les faire. Non, ils n'ont jamais sanctionné le Rwanda. Ils ne font que parler. Parler, vous dites, oh, nous condamnons la présence du Rwanda. Mais demain, ils signent des accords avec l'Union européenne, malgré ce qu'ils disent par la bouche, dans les actes, ils n'ont jamais pris aucune sanction. Et nous, comme un pays souverain, nous devons collaborer avec les grands États, les États qui sont militairement forts au monde. Mais aujourd'hui, nous sommes avec la Russie, donc vous êtes content, vous êtes partant? Je suis très content, mais j'ai déjà dit qu'il faut commencer par organiser à l'interne. Mais deux, il faut, bien sûr, être avec la Russie, il faut être avec l'Afrique du Sud, il faut être avec l'Égypte, il faut cibler les grands États qui sont militairement forts, être réellement avec eux. Mais est-ce qu'ils vont nous respecter quand nous aurons, avec des généraux qui sont des affairistes, des généraux qui trahissent leur pays qui les a vus naître, qui les nourrit, qui les paye, la population qui paye ses impôts et taxes pour payer ces généraux, mais qui trahissent ces populations? Est-ce que même les partenaires vont nous respecter avec ce comportement? Mais est-ce que ce sont seulement les généraux qui trahissent? Ah voilà, les politiciens également, j'ai dit, le président de la République, dans un discours, il avait dit que désormais il sera impitoyable. Nous avons la population du Nord Kivu a toujours attendu la mise en exécution de cette phrase, je serai désormais impitoyable. Cette guerre, si elle ne finit pas, il y a beaucoup de gens autour qui s'enrichissent. J'ai dit les militaires, mais il y a des politiciens, il y a des hommes d'affaires. Aujourd'hui, si le président ne fait pas tout pour lister toutes ces personnes, les appréhender, les sanctionner sévèrement, rien ne changera parce qu'ils savent qu'en RDC, on parle et ça passe. J'ai appris qu'il y a des personnes qui avaient été appréhendées et qui se représentaient peut-être dans quelques jours, mais... Qui sont ces deux personnes-là? Des personnes, notamment les Redocs du Nord Kivu et plusieurs autres. Il y a aussi un député provincial, malheureusement, de mon territoire de Rutshuru. Mais le chef de l'État, comme il l'a promis, il doit être impitoyable. Il doit lister toutes ces personnes. Il doit les mettre devant la justice,
La justice doit les condamner pour cela qui ont des preuves, qui a des preuves béton, qui sont en connivence vous avec parlez les. De ministres, vous avez les noms de ces ministres-là. Je n'ai pas parlé des ministres, j'ai dit des politiciens. Ah, vous avez parlé des. J'ai parlé des politiciens et ils ne peuvent pas manquer, je vous dis. Aujourd'hui, nous avons un conglomérat de politiciens qui ont été créés par le Rwanda en RDC, avec des différentes rébellions. D'accord. Est-ce que c'est sûr que tous ces gens ont rompu le cordon ombilical? Oui, peut-être il y en a qui ont rompu. Est-ce que c'est tous? Est-ce que si on voit dans différentes actions, vous allez trouver qu'il y a des gens qui collaborent toujours avec l'ennemi et pour l'aider parce qu'ils savent que c'est la présence de l'ennemi, c'est grâce à la présence du Rwanda et de l'Ouganda qu'ils ont survécu politiquement ou D'accord. militairement. Ça va. Honorable, vous avez été quand même réhabilité, vous allez siéger. Comment ça va se passer finalement? Est-ce qu'on vous a réhabilité maintenant là qu'il n'y aura pas élection à Rutshuru et les mêmes députés en garde pour le quinquennat les 5 ans à venir? Bon, d'abord, ce n'est pas pour les 5 ans à venir. Ce qui a été dit, il a été dit que aussitôt que les élections sont organisées dans les 3 entités Rutshuru, Masisi et Kwamout, mais il faut que la garde. Ces gens seront remplacés par les nouveaux élus. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui attend notre population. Notre population attend qu'elle soit libérée des mains des agresseurs. Alors, dire qu'on a reconduit les députés nationaux, les députés provinciaux de Rutshuru et Masisi et Kwamout, ce n'est pas une bonne nouvelle, d'autant plus que... C'est reconduit, hein. Oui, reconduit. Ça signifie que moi, je suis un député qui plaide pour une population qui est en errance. Je ne peux pas piétiner chez moi. Je ne peux pas... Je suis quel député? Et donc, vous pouvez quand même faire des lobbying, des plaidoyers, justement pour votre population. Bon, la justice a fait son travail, mais je dis, ce n'est pas ce que ma population attend. La population attend la libération de ces entités. C'est ça la priorité. Et donc, pour ma population, elle considère que c'est un non-événement. D'accord. C'est un non-événement. Elle attend la libération. Elle ne voit que des signes contraires de ce qu'elle attend. Elle attend la prise de décision, changer tous ses officiers supérieurs, traîtres, prendre tous ces politiciens et militaires, officiers, traître, les châtier pour mettre un colonel, ou un major, capable, il y a des majors, des colonels capables, pas nécessairement un général. Nous sommes sûrs que même les Ouazalendo qui ne sont pas très armés, ils résistent, ils ravissent, ils sont en mesure de conquérir des entités. Et les enlever entre les mains des agresseurs. Plus mais même le FARDC. Plus que le FARDC qui alors, sont merci beaucoup, honorable. Des présumés formés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Un mot de la fin, juste quelques secondes. Le mot de la fin, je demande aux Congolais de pouvoir prier pour le président de la République, qui est certainement en difficulté, parce que, comme je l'ai dit, il est commandant suprême de militaires issus de différentes fraudes. De différentes mafias, brassage, mixage et consorts. Il est le commandant suprême d'une armée désarticulée, corrompue. Il faut prier pour lui parce qu'il se bat contre les killing machines. Le régime du FPR et du Rwanda, du NRM, ce sont des killing machines. Ils ont tué 4 présidents dans 20 ans. Le président du Burundi, le président du Burundi, Melchior Ndadaye, le président du Burundi, Cyprien Ntaryamira, le président du Rwanda, Habyarimana, le président du Congo, Laurent Désiré Kabila. Dans 20 ans, ils ont tué 4 présidents. Il faut donc prier pour lui comme il résiste, certainement qu'il est dans leur viseur. Mais les Congolais doivent prier et se mettre derrière lui pour qu'ensemble, ils puissent gagner ces imposteurs. Merci infiniment, honorable. Merci beaucoup. Merci également à tous nos fidèles. Au revoir.